Hey, salut les gens, c'est Sam, on se retrouve sur Project Zomboid. Salut tout le monde! Salut, Salut, salut! Coucou! Allez! Bon alors, je vais installer ces jeunes, mais on en a perdu un. Au passage. Ouais, c'est pas dramatique non plus. Hein. Puis j'ai plein de stuff qu'il faut que j'aille me débarrasser, notamment de la bouffe. T'es pas assez dégourdi pour faire un escalier, c'est ça, Katox? Ça se travaille. J'étudie. Travail. Moi, j'ai fait un peu de lecture. Là, je vais déposer plein de trucs à bouffer par terre. Attends, je vais décongeler une saucisse. Super. Ah bah attends, là, je suis en train de les mettre dans un frigo. Des cacahuètes et des canettes de soda. Quoi? Mais fais pas ça. Attends, les mecs, mais quand ils décident de ranger un truc, c'est pour faire chier le monde, quoi. C'est bien dans le frigo, là, les canettes, ici, dans celui-là. Ah, bordel. Ah, il était vide ce frigo, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Tu mets la javel avec? Hop là. Tu mets tout par terre. Tu sais que c'est ce que tu voulais que m'entende te dire, mais voilà. Quoi? T'es sérieux? Je peux rien faire avec ma saucisse? Je peux la mettre là-dedans peut-être? T'es sûr que tu peux rien faire avec ta saucisse? T'es sûr que tu peux rien faire avec ta saucisse? Avec un peu d'entraînement, ça va venir, t'inquiète. Oh les mecs. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose, moi. On peut fabriquer un chapeau en aluminium, qu'est-ce que ça fait de beau? Ça te protège des attaques extraterrestres. C'est vrai. Bah c'est vrai, normalement je peux ajouter ça. Qu'est-ce qui fait n'importe quoi? Voilà, un petit peu d'huile végétale. Faut que je relise tout, nom de Zeus. Un petit peu de petits pois. On va mettre double ration de pommes de terre. Mettre du sel. Un petit peu de beurre. On peut pas mettre des œufs. Si on est censé pouvoir mettre des œufs, il me reste des œufs, non? Il me reste pas d'œufs. Ah, elle est pas ouverte la boîte, c'est pour ça. Me balade avec un collecteur de puits en attendant que tu puisses faire ton... C'est un peu chiant de le ranger quelque part. Je le mets dans un bâtiment, dans un... J'ai mis dans un placard le collecteur de puits. Normal. Voilà. Carte. Allez hop, à cuire. Taille, je peux mettre les saucisses. Ah! Le point de cuisine. Ça cuit là? Ouais, j'ai le temps d'aller lire mon livre de cuisine. Oh, plus qu'un point. Il est mon tournevis. C'est plus de tournevis! Fuch! J'ai me retrouver un tournevis. Attends, j'en ai un sur moi, en rab. Je le pose par terre devant moi. Merci. Enfin putain, je suis en train de lire donc il veut pas poser par terre. Pas grave. Je suis en train de lire aussi de toute façon. Faut que je relise tout. Tout. Voilà, du coup, c'est bon, t'as ton tournevis normalement. La couture. Hein. J'ai tout parce que quand on fait des trucs après. Alors, c'est jeter le bois inutilisable parce que ça sert pour faire des feux. Ouais, par contre, le métal bois inutilisable, ça sert pour faire du feu, ouais. Le métal inutilisable, lui, ça sert à rien. Les canettes vides aussi, vous pouvez les jeter. D'accord. Après, il y a peut-être des mods qui les font fondre et tout ça, j'imagine. Mais... Oui, bon. Pour l'instant, on n'a pas de tout ça, nous. On n'est pas là, ouais. Un petit peu de courgettes.
Ça arrive mon escalier? Oui, bah ça se travaille. Œuf saucisse, bah, c'est très bien ça. Il me semble vachement tendu. Donc il me faut un cric, c'est ça? Où est-ce que je vais trouver un cric? Je te demande pas la lune, je te demande un cric quoi. Sinon je peux pas changer les pneus des voitures et sans pneus, bah pas de voiture. Sont les bagnoles, on peut pas dire qu'elles aillent dans le bon sens pour l'instant. Pas de roulage. Voilà, pas de roulage. Pas de roulage. Allez, il y a un peu à manger dans la dans le micro-ondes si quelqu'un a besoin. On va jeter des petits pois dans sauter, ce sera très bien. Est-ce qu'il nous reste des saucisses? Ah non, je peux juste mettre de l'assaisonnement, un petit peu de sel peut-être. Des choses. Premier score volume 2. Voilà. Cuisine et agriculture. J'ai pas lu la cuisine. Bon, si vous cherchez à manger, c'est sur la table. Merci. Ça roule. Ça m'arrange pas, moi j'avais soif. Merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se construit les collecteurs d'eau de pluie? Sinon au pire, il faut quoi? Il faut ramener quoi pour en faire plein? Des sacs de poubelle, si ma mémoire est bonne. Sacs de poubelle et des planches. Ça me dit quelque chose, des sacs de poubelle, ouais. Ok, sacs de poubelle. Sacs de poubelle et planches, mais les planches ça va, je sais m'en charger. Petite déception avec le plat à rôtir une fois posé, il ressemble à une poêle. Super. Je suis très triste. C'est un asset, c'est très important. Du coup, c'est quoi qui est par terre? Des bandes dessinées, des cigarettes, des bouteilles vides. Bah tiens, on va lire une bande dessinée pendant que ça cuit. Fumer une clope. Toxico. Bon, je sais pas, où ça se trouve dans les. Sur le musée qu'on trouve ça. Pourquoi il manque le volume 5 de la couture? C'est pas moi qui l'ai pris. D'accord, tu pourras le remettre? Non, c'est pas moi qui l'ai pris, j'ai dit. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Bah, j'en suis loin, quand j'en serai à lire la couture volume 5, je peux te dire que je vous aurais fait des pyjamas, des chemises de nuit, des. Des pelus. Qu'est-ce que tu veux qu'on en foute de tout ça? Bah oui. Et ce sera mon seul moyen de monter ma compétence, j'aurais plus quoi faire. T'as qu'à boucher des trous comme tout le monde. Bah oui, mais des trous, faut qu'il y en ait. J'ai retrouvé mon tournevis, il était dans ma main. Mais je t'en avais posé un par terre, tu l'avais perdu. Non, celui que tu as posé par terre, il est toujours par terre. Putain. Il est pas sortable quoi. C'est pas possible. Jambes. Ah, je pouvais pas deviner qu'il était dans ma main. Évidemment. Allez, on boit. C'est l'archétype de maman qui t'engueule parce qu'elle. Mais elle est où, elle est où mon téléphone? Alors qu'elle est en train de téléphoner avec. C'est ça. Elles sont où? Mais elles sont où mes putains de lunettes? Ah, elles sont sur moi? Ah oui. Ah bah elles sont là. Bon allez, je suis reparti. Il y en a toujours pas de cric, hein, vous remarquerez. Hein. Bah, je suis parti. Ah non, parce que... Il t'écoute pas, il s'en fout de ce que tu lui demandes alors. Je fouille tous les zombies jusqu'à ce que je trouve un cric. Pas convaincu de trouver un cric sur un zombie. Bah s'ils sont plus dans les étalages, c'est qu'ils sont bien quelque part quand même. Trouve un garage, je pense que tu trouveras plus facilement un cric qu'un sur les autres. J'ai pas trouvé de garage près. Tous les coffres de voiture que t'as trouvé. Près, non, mais loin peut-être. Je vais essayer de retrouver. Quoi, non, il fait pas nuit, mais par contre, il y a un vieux brouillard. La nuit vient de se terminer, donc comme d'habitude, t'es sorti en pleine nuit. Alors, est-ce que les planches, on pourrait pas les mettre genre dans des caisses ou quelque chose ailleurs? Parce que c'est. De toute façon, je vais en utiliser 15 d'un coup pour faire l'escalier, t'as un tracasse. Ok, nickel. Elles vont bientôt disparaître, les planches. Parfait. Je suis sûr qu'on avait croisé une voiture accidentée avec un cri, je vais essayer de la retrouver. Moi, je vais essayer de retrouver un garage. Je vais regarder la map. Non, non, le coffre de voiture, c'est là que t'as le plus de chances d'en choper. Des crics dans le coffre des voitures? Ouais. Une voiture sur le toit là. Je sais pas si on pourra la redresser un jour, mais je suis pas sûr que ce soit bien utile. Ah bah y'a une station là juste à côté. Avec un truc de lavage, alors il y aura peut-être
Martin Creek, on va aller voir. À côté de là où on était, on a trouvé la buanderie. Moi j'y vais. Alors là, il y a un accident, mais pas de creek. Il y a un groupe électrogène ici, mais en mode remorque. Et j'ai une remorque à camouflage militaire aussi. Remorque, au moins elle sera invisible, c'est bien. Tiens, ils sont chauds là, les zombies. On est en plein jour, mais c'est comme si on était en pleine nuit avec ce brouillard. C'est peut-être même un peu pire parce que du coup, je les vois pas. D'accord, ils sont un petit peu vénères. Ouais. Je vous déconseille de sortir, hein. Vraiment ça picote. Ça tombe bien, c'était pas dans mes plans. Bah moi je suis dans une voiture à chercher mon creek. Bah je suis aussi parti chercher ton creek. À deux, on devrait réussir à en trouver, je cherche un accident moi. Ah. Le moteur s'est éteint. C'est un problème. C'est bien. Tu vas pouvoir rentrer à pied. J'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, je transpire. Comme d'hab. Tout va bien. C'est ça. Oh, y a un bus. Bah, vous rigolez, mais la voiture a disparu. Du coup, je veux vraiment rentrer à pied, je crois. Putain. Ah si, elle est là, un petit peu plus haut. Oui. Oh la vache. Ah mais du coup le moteur démarre pas, nickel. Bon bah... Oups. Oups. Je te ramène un véhicule, t'es où? En plein dans la ville là. Où ça dans la ville? Bah je cherche un bâtiment reconnaissable. Parce que si je te dis, je suis à côté d'un entrepôt avec un toit rouge, je pense que ça t'aide pas. Si. Je suis à côté de l'American Tire. Je vais essayer de me réfugier dans l'American Tire. Ah putain! J'ai été téléporté de nouveau dans la voiture. C'est une bonne nouvelle. Ouais, je sais pas. Elle démarre toujours pas en tout cas. Je peux pas éteindre les phares. Mécanique du véhicule, siège. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ouais, je suis pas convaincu là que je vais. T'es ramené encore un véhicule sympa, je t'ai ramené un bus. Allez, je vais afficher mes talents comme ça si je bug, voilà, on pourra les remettre. Ah, mais non, mais en fait, y a du noir juste à côté, donc c'est juste que je suis dans un endroit qui est pas chargé. Je me suis peut-être un petit peu trop éloigné de Lost. Bon, bah, je repars du coup. Je vais peut-être manger et boire avant de repartir. Il te faut des planches, Katax. Bon. Oh là là. Bah oui, forcément que les zombies ils m'attaquent là. Au bout d'un moment, j'arrête pas de revenir en arrière dans la bagnole quoi. Petit à petit, ça va partir en sucette. J'en ai des sucettes, du chocolat aussi, des bonbons. Bah moi aussi, mais. Saleté de brouillard en plus, c'est vraiment pas le temps à sortir. Bientôt l'escalier. Excellent. Katox, il te faut des planches ou c'est pas la peine? Pas la peine. Faut te faire un double escalier si t'as envie. Bon, je vais essayer de me réfugier dans cette maison. Fais gaffe, les maisons, il y a des zombies dedans. C'est pas forcément mieux que. En attendant, j'arrête pas de me re-téléporter dans la voiture dès que j'essaie de faire quelque chose. Donc, on va essayer d'attendre que un peu au calme que ça se resynchro quoi. En attendant, on va lire le journal. Allez hop. Ah, des antibiotiques.
Ben voilà, on sera pas venu pour rien. On remplit nos bouteilles d'eau. Tu veux que j'essaye de te porter sur moi pour voir si ça te resynchro? Bon, on va perdre la voiture d'or, ce sera dommage. Ah, plein des bagnoles. Là, j'ai une bah non, mais voilà, je suis réapparu de nouveau dans la voiture de toute façon. Tu peux essayer de me téléporter, ouais, on sait jamais. Ah, visiblement les feux se sont éteints, donc c'est que. Ça arrive quand même à prendre des ordres de temps en temps. Vas-y, je suis sorti de la voiture si tu veux essayer de me téléporter. Alors, c'est pas un essai, normalement ça marche. Ça a pas marché? Bah écoute, là non, je suis toujours devant la voiture. Ok. En fait, je suis tout seul, ça se trouve. Y'a plus personne. Ok. Ça fait deux fois que je te téléporte sur moi. Je vais essayer de me rapprocher de vous. Ça marche pas, t'es pas sur le serveur en fait. Tu n'es pas là. Parfait. T'es là mais t'es pas là. Les pouvoirs d'admin ne marchent pas non plus. Je vais quitter. Je vais quitter vite fait, puis je vais rejoindre vite fait. Ça, tu verras vraiment où t'es. Au milieu du centre commercial. Hop là. Connexion. Bon bah déjà c'est bon signe. Entrer dans la partie. C'est la fin du temps. Ah mince, je suis là. Bon, c'est vrai qu'il bosse sur le multi parce qu'on sent quand même que ça a perdu un petit peu en stabilité. Hein. Allez, je télécharge les morceaux de cartes. Youpi. Moi, je suis en train de rouler avec ma Ferrari rouge. Le problème, c'est les impacts. Vu la vitesse à laquelle je les télécharge, ça va quoi. J'aurais pas non plus être trop à la rue. Bon, certes, c'est un peu long, mais c'est relativement fluide. Alors, on est parti. Où est-ce que j'apparais? Ok, j'apparais exactement là où je m'étais arrêté. Ce qui est bon signe. C'est plutôt bon. La voiture est là. Alors, est-ce que je peux la démarrer maintenant? Est-ce qu'il y aura des outils là-dedans? Le moteur est démarré. Je l'ai éteint, je le rallume. Et en plus, il n'y a même plus de brouillard. Fantastique. Bon, je vais essayer de me rapprocher de vous. Ah putain! Il y a un cric qui est apparu avec le rechargement. Ah bah voilà. Rush du cric! Rush du cric au milieu des zombies! Alarme! Un cric! Vite, chope-le! Cours! Rien à foutre des zombies, retourne à la voiture! Allez, on se casse. C'est plus ou moins par là. Plein nord. De toute façon, c'est forcément plein nord. J'ai trouvé plein de paquets de sucettes. Nickel. Ah putain, ça charge pas. Stop. Ça y est, ça charge. Canette de soda, c'est pas vraiment ce que je veux. Merde, ça charge pas. Ça charge pas. Ça y est, je vois la route. Tant pis pour les zombies. Bon, faut pas que je roule trop vite. Très bien, je roule pas trop vite, je suis à l'église, enfin je crois. Oh bah t'es pas tout près. Ah bah je cherchais mon cric. Y'a un autre cric. Bon, un seul ça suffit peut-être. Non. Ah ouais d'accord. Deuxième cric. Je vais chercher le deuxième clic. Théoriquement, tu vois la passerelle où t'étais tout à l'heure, Slane? Qu'est-ce qu'il y a? La passerelle où tu étais tout à l'heure. Oui. Ah bah en fait, elle est dehors du bâtiment. Il y a pas de toit au-dessus. Comme ça, il y a pas de toit au-dessus. Les deux cases qui font le couloir de passerelle. Ouais. Il y a pas de toit au-dessus. Oui, c'est normal. Lol. C'est normal. Ah, il y a pas de toit. Tu verras, tu montreras l'escalier que j'ai placé, tu verras bien. T'as un roule. Ok, on est de retour sur la Jeep. Fais gaffe à pas tomber, ça fait mal.
Allume-moi quand ce tu chauffage. Mets un escalier, de toute façon, normalement, ça te met juste un carré. Ouais. Ouais, mais c'était essayer de rejoindre le seul. Bon, bah, y a plus aucune voiture sur le parking de nouveau, donc je vais essayer de me mettre à un endroit où. Ah ouais, alors fais gaffe parce qu'il y en a plein des voitures. Hein. Bah ouais, bah je sais, c'est pour ça que je me suis garé à un endroit hier. Même la Lada a disparu. Non, la Lada a disparu. Je t'en ai ramené deux autres. Hein. Pas la Lada. Ah bah celle-là, je les vois pas, donc on va espérer qu'il y aura pas de conflit. Bon, écoute. Pour un énorme bus. Bah ouais, mais je sais pas quoi te dire, moi. J'ai ramené un Krik, mais du coup, il me sert à rien parce que je peux pas. Je peux pas voir les voitures à réparer. Des œufs et du lait. Ça c'est cool, on va pouvoir faire des muffins. Oh, enfin, si on trouve un muffin. On va enfin pouvoir bouffer comme il faut. Ah ouais, mais ça devient chargé ici. Je vais mettre mes criques là. Le parking? Non, non, la petite pièce de rangement. Ah bah le parking, il n'y a plus beaucoup de place non plus. Hein. Ah mais le parking, je le vois pas, donc du coup, je sais pas dire. Pourquoi je peux pas boire? Faudrait qu'on installe une baignoire maintenant pour se laver un peu plus vite aussi. On peut faire ça, lavabo, ça va bien. Ben, je pense, non. Damned, il est debout au milieu de la grande pièce à ne rien faire. Ça va, Damned? Damned, je crois qu'il est... Je fais pas rien, je suis en train de faire du nettoyage. Ah, ok, ça doit être le jeu qui... Je fais des trucs, je les mets dans la poubelle, je les supprime... Ça doit être le jeu qui me dit que tu fais rien, désolé. Ouais, ouais, non mais c'est pas grave, hein. Aussi. Oui. Un travail de l'ombre, moi. Je suis le seul à le voir. C'est bruyant les battes de baseball. Surtout quand il crie. C'est la batte de baseball qui crie. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Survie. Ok, une lance. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bruit? C'est la pluie? Non, il pleut pas. C'est quelqu'un qui fait de la batterie sur les bruit, sur les portes ou... J'avoue que c'était chelou hein. On dirait que quelqu'un qui est en train de travailler avec un marteau piqueur ou un truc du style quoi. Ouais bah dégueulasse le marteau piqueur. Hein. C'est encore Katox. Pas moi pour une fois. Bien fait. Sûrement la faute à Slan. Je suis pas là, moi je suis au supermarché. C'est pour ça que je le dis. Ça veut dire que c'est toi Katox. Non, je sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Donc moi je suis en train de faire une passerelle en bois. Je trouve ça douteux. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça douteux, Damned. Oui, moi je ne sais pas non plus qui a fait ça, mais... Moi ouais, je suis pas là. Bon, je t'ai ramené des bandages et des antibiotiques. Faute de mieux. Est-ce que c'est vraiment utile une bagnole qui a pas les roues de la même taille? Qui a pas les roues de la même taille? Non, celle-là elle a clairement les roues devant plus petites que les roues derrière. Quoi? C'est un carrosse? C'est un dragster. Une Lada. Ah oui, encore mieux. Elle est cassée celle-là ou quoi? Ah, on peut faire des tacos, trop bien. Avec des tortillas. Et on n'a pas grand chose à mettre dedans, malheureusement. Oh putain. J'aimerais bien trouver ce que je peux faire. Quand je commence à être sacrément fatigué, il faudrait que je revienne. Écoute, reviens. Conserve de chili, ok, l'huile d'ola, la mayonnaise, des oignons, du pepperoni, des saucisses. Si on peut mettre du steak haché dans le taco. Je pourrais juste parvenir. Je vais m'asseoir par terre. Je vais croiser les doigts. Pour les collecteurs d'eau de pluie, donc c'est 4 planches, des clous et 4 sacs poubelles pour un collecteur. 4 sacs poubelles? Ouais. Waouh. Tu rigoles pas. Faut que ce soit un peu étanche.
En même temps, vu le nombre de signes de poubelle qu'il y a partout. Ok, on peut pas mettre ça. Donc, du coup, une omelette, non. Ah, je t'ai fait un bel accès au toit, Aslan. Eh ben j'ai vidé et trié tout le petit magasin. Là. Toutes les étagères sont vides. Par contre, ça fait un gros stockage du coup. Bah, on va peut-être pouvoir mettre les stockages dedans. Bah, une partie, ouais, c'est clair. Hein. Parce que franchement, il y a de quoi faire. Hein. Ah, on peut vraiment faire du thé, quoi. Bah oui. Il y a même une recette de thé spéciale pour faire du thé avec une tasse Spifo. Place. Thé Spifo. C'est la moindre des choses. Oh, on peut faire du ragoût. Il faut que ta marmite soit remplie d'eau avant de commencer à cuisiner. Cool. Je peux pas dire, mais on a 69 livres. Ça, c'est beau. Ouais, sans faire exprès. J'en ai ramené plein tout à l'heure. C'est bien. Tu as une médaille ? Bah, un peu, oui. Je te décerne une médaille, Slan. Ah, on a du riz. On pourrait faire du riz, du coup. Bon, je ramène un camion. Oh, putain. Un petit. Ah, on peut trouver des œufs sauvages dans la nature. Tu ramènes le seul remorque là. À quand l'élevage de poules? Tiens, on va pouvoir faire déjà, il faut les premiers, j'imagine. Y'a pas d'essence dans ce véhicule? Il faut 15 unités de beurre pour faire une pâte à tarte, la violence. Et je le ramène pas alors, du coup, parce que j'ai pas que ça à foutre. Heureusement que t'as pas la recette du Kugaman. Hein. Bah écoute, déjà là, 15 unités de beurre, franchement. Qu'est-ce que c'est qu'on a vu la dernière fois avec Malix? Il existe une recette qui s'appelle le Queen Gras, ou je sais pas quoi. C'est, Queen Gras. C'est un genre de... Ouais. C'était quoi, Kugaman, déjà mais en plus gras. Le Queen Aman, mais en plus gras, ouais, c'est ça. Ça s'appelle le Queen Aman des gras, c'est une autre version bretonne du Queen Aman. Le Queen Aman des gras, quoi. Comme si le Queen Aman de base n'était pas gras. Oh, je n'ai pas compris. C'est une recette de Queen Aman où tu remplaces la farine par du beurre. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Attends. Oh putain. T'as dit quoi? Pourquoi il démarre pas? Ah oui, en fait, c'est une version spéciale pour Mardi Gras. Ah. Oh putain, l'enfer quoi. Tu rajoutes un peu d'huile d'olive dessus. Purée. Et un masque en sucre. Alors il faut quoi pour faire? Non, on peut pas, je peux pas faire de pâte à tarte. Plus quoi inventer, hein. Non mais... Là, même pour faire des gâteaux, il faut 15 unités de beurre. Il va nous falloir plus de beurre. Hein. Ou fabriquer du beurre. On peut déjà trouver une recette chèvre, pour fabriquer ou du une beurre. Vache. Hein. Bon, on a du lait, on va pouvoir faire du beurre. On a du lait si et du sel. Un peu. Théoriquement, on pourrait. Réservoir, il est comment? Il n'y a rien par terre. Panne d'essence, c'est pas vrai. Ils sont tous en panne d'essence, ces véhicules sympas sur le parking, là, que ça commence à bien faire. 4 fois que j'en démarre un, 4 fois qu'il n'y a pas d'essence dedans. Sur notre parking? C'est qu'on a un bidon. Ah. Qu'on a un bidon non, sur un gros parking, là, le parking du supermarché. Et il est où ton escalier d'ailleurs, Katox? Tu montes à l'étage, t'as une petite passerelle au-dessus. Mais des machines. Est-ce qu'on a un zombie à l'intérieur en train de taper sur le portail à l'intérieur? Oui. J'ai déjà dû en enlever un, mais comme je suis surchargé de plans. Bah, faut te dire, on vient t'aider. Genre, j'ai besoin d'aide. Bah, visiblement, il est en train de péter notre porte déjà bien dans le mal, quoi. Voilà. T'es descendu par où? T'as sauté? Quoi? Sauté, moi. Bah, y'a pas d'escalier pour descendre là, j'ai pris le plus court en partant par l'escalier qui était là. Bah, je te l'ai pas montré, hein. Je t'ai dit où il était. Ouais, je comprends rien. Il est où ce. Putain. Comme t'es sens là. C'est vide ça. Ah, il y a du carburant, il y a un peu de carburant dans celui-là. Ouais, mais il est tellement en mauvais état, ça sert à rien que je le ramène celui-là.
Et c'est vrai que moi j'ai même plus la Lada qui sert de porte, alors du coup... 241, des sacs plastiques et des... Tout ça c'est la faute à la Lada. Ah mais la grille elle est cassée. Ah non, c'est juste que je la voyais pas, ok. C'est juste que ça apparaissait. Bah, il pourra bientôt, au niveau 7 ou 6, il peut faire des... Il peut faire des portes. Ah oui, là, je te vois travailler, Damned, effectivement. Merci, ouais. Ah bah pour une fois. Ça se passe bien, ouais. Bah, je nettoie le sang, d'ailleurs. Si vous pouvez éviter d'en remettre à l'intérieur, ce serait gentil. Dans la zone des garages, désolé. Non, mais le garage, c'est le garage. Je parle de vraiment notre lieu de vie. J'ai déjà sorti tous les cadavres. Oui. T'as fait un joli tas, d'ailleurs. On peut pas les brûler Bah si, normalement si, mais ça fonctionne pas. Oh. Si, si, ça fonctionne, les brûler les cadavres. T'as laissé le feu activé sur le serveur? Ouais. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Est-ce que tu as équipé un jerrycan en principal? Oui. Oui, avec de l'essence? T'as mis en secondaire ton briquet et ton allumette? Oui. Et maintenant, tu peux faire arroser les cadavres? Oui. Même brûler le cadavre, oui. Bah voilà, bah ça marche. Non. Comme ça, non. Comme non, apparemment, non. Bah, apparemment, tu fais brûler le cadavre et voilà. Apparemment, A plus B n'est pas égal à C. Hein. Mais c'est tout. Ça fait juste perdre de l'essence. Oh, un bug de plus, un bug de... Ah bah, moi je l'ai fait, mais c'était pas sur cette version. Mais je l'ai fait sur l'autre version. Et c'était les mêmes paramètres. Ouais, mais depuis, il y a eu des modes, et les modes... Est-ce non. que, voilà... Non, on a que quelques modes, et c'est que des modes de véhicules. Ça va pas, faut arrêter de penser qu'un mode de véhicule va te bugger tout le jeu. Bah, ça dit, il rajoute quand même pas mal de choses, hein. Rien que les trucs de customisation de voiture là. Oui, mais c'est tout, ça n'impacte que les véhicules. D'ailleurs, c'est travail des métaux qu'il faut pour le faire, c'est même pas automobile. Donc, si on veut customiser les voitures, faudrait voir avec Katox. Oh, oui. On va faire. On va faire Fury Road. On va renommer Katox Jackie. Tu peux te faire plaisir là. Tu peux transformer la Viper en un tank avec des gros pics partout. Par contre, il faut un max de plaques de métal. Hein. Bon bah écoute, on pourra peut-être arrêter l'épisode là du coup si t'arrives à ramener une voiture, Slan. Bah c'est surtout que. Je suis en train. J'ai soif. De mourir là. Ouf. Hein? J'ai réussi à m'en sortir. Non, mais j'étais vraiment poursuivi par les zombies et tout, j'avais plus d'endurance et tout. Et là, j'ai enfin trouvé une bagnole qui roule. Ah, je reviens d'abord. Bah, viens pas nous infecter, hein, c'est bon. Hein. Merde. Oh putain. Ça, c'est je crois que ça passait, moi là. Vous pouvez pas deviner que ça passait pas. Aïe! Ah ouais, non, mais il y a des bagnoles partout là. Elle était plutôt en bon état cette bagnole quand je l'ai récupérée. Elle était plutôt en bon état. Ouais, c'est clair. J'ai entendu la même chose. Alors on est sur le même. Sur le même stade, c'est bon. Ouais, mais là ça va vite aussi, hein. En même temps, j'aimerais bien vous y voir. Hein. Conduire dans le noir comme ça. Dans le noir. Bah, c'est un peu flou tout ça. C'est un peu. C'est noir, gris. Puis il est en train de mourir, ouais. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Damned? Tu démontes les portes? Bah oui. Toutes. Voilà, c'est rangé. Et comment on va faire pour se replier si on se fait envers par les zombies? Alors, bah, tu l'as vu le bus? On ira ailleurs. Ne replie pas, tu meurs. Tu meurs. Ah, tu l'as vu le bus militaire? Mais non, mais je le vois pas, je t'ai dit que je vois aucun véhicule là, faut que je raque, je déco, reco, on verra ça au prochain. Mais pour l'instant, je vois rien sur le parking. Ok, est-ce que je suis mourant? Non, ça va, je suis pas plus mourant qu'avant. Vais-je mourir? Vous le saurez. Je peux plus mourir. Ok. Du coup, je vais pas arrêter sur le parking. Même... j'ai quand même beaucoup d'icônes rouges, hein. Ça pique un peu. Mais écoute, on a un médecin, ça tombe bien. Je crois qu'il s'occupe que de toi, mais. J'ai tout sauf des blessures. Allez, on va s'arrêter là. Ça y est, je suis à l'abri. Je te vois. Non, mais à l'abri.
Bon bah j'ai pas ramené grand chose hein. Si, plein de bouffe. Très bien. Et ben on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. A plus tout le monde. Ciao ciao. Ah bye.